自地靠我，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。Les villageois de Dongming, de la commune de Zhongzhai, de la ville de Jinhua, du Zhejiang, vont célébrer une fête annuelle très importante, la fête de Shuelong, le dragon à eau. Le Shuelong est un outil d'extinction traditionnel du village de Dongming. Pour vérifier si cet outil marche toujours bien, on ramasse les 5 Shuelong du village de Dongming et des villages voisins afin d'organiser une compétition très spéciale. À la fin de la dynastie des Ming, le village de Dongming fut presque entièrement ruiné par un incendie. Afin d'éviter ce genre de tragédie, les ancêtres des villageois inventèrent le Shuelong et organisèrent 5 groupes de pompiers pour éteindre les incendies aux environs. Peu importe où le feu avait lieu, les ancêtres de Dongming allaient toujours volontairement l'éteindre en transportant les Shuelong très lourds. Chaque année, le premier jour d'août du calendrier lunaire, on fait une compétition en utilisant ces Shuelong anciens. Celui ayant la plus grande pression et le plus long jet d'eau gagne, parce que sa capacité à éteindre le feu serait plus forte. Le temps a changé, le Shuelong s'est démodé, mais cette fête demeure dans le village pour commémorer leurs ancêtres et faire transmettre l'esprit de Yi, la justice. Situé au nord-est de la ville de Jinhua, le village de Dongming se trouve à la pointe est de la chaîne Xianhua, du district de Pujiang. Plus de 1000 personnes de la famille Zhang sont installées dans ce village. Le ruisseau Bailin, de 500 mètres de long, traverse le village. Par rapport au village voisin, le village de Dongming est plus ancien et plus joli. Mais dans l'histoire, il a un surnom très connu, Yimen des Zhang. Dans la Chine ancienne, si le gouvernement voulait faire les éloges d'une famille de plusieurs générations, il l'appelait Yimen. C'est difficile d'imaginer que ce petit village ait connu les dynasties des Song, des Yuan et des Ming, soit plus de 330 ans. 15 générations y vivent et prennent les Yi comme leur principe. C'est un modèle éminent d'Yidu dans l'histoire de la culture des familles chinoises.
如果这个家族它是一种理念合在一起，比如说义，就是我是以这个我的家族的文化，以我这个门风去把大家合在一起，以我的这个祖先所做的这种义事儿，让大家后世敬仰去效仿而合在一起，那么这就是一个义居了。Dans une famille faisant grand cas à la justice, chaque membre doit respecter le principe familial et le transmettre. La famille Zhong attache de l'importance à l'éducation. Les ancêtres croient que la famille ne peut être bienvenue que par les descendants honnêtes. Song Lien, un grand fonctionnaire au début de la dynastie des Ming, fit ses études puis enseigna pendant plus de 20 ans dans le village de Dongming. Il s'attacha beaucoup à la famille Zhong. Il planta 9 cyprès dans le temple des Zhong, en espérant que cette famille demeure pour toujours et que ses descendants soient éminents. Il proposa que l'arrangement du temple soit en forme du caractère chinois Yipin, pour que les descendants deviennent d'honnêtes hommes. Selon les ancêtres des Zhong, les gens se divisent en 3 genres. Le premier court après la richesse, le deuxième après la réputation, et le troisième s'intéresse à la morale. 正一门所体现的这样一个价值的规范，他们这样一个分等，其实跟中国文化的整个的这个价值观其实是一致的。而且这种价值对每个人是公平的，因为富贵太偶然，功名太偶然，而德就在我们每个人的身上。Pendant les dynasties des Yuan, Ming et Qing, 169 personnes de la famille Zhong devinrent fonctionnaires dans la cour impériale. Mais aucune d'elles ne participa aux examens creusus. On les recommanda parce qu'elles étaient honnêtes. C'est très rare dans une société féodale où les examens impériaux étaient presque obligatoires lorsqu'on voulait devenir fonctionnaire. Cela représente un grand succès de l'éducation des Zhang. Il y a quelques années, Zhang Zhexiang, conservateur au musée du district Pujiang, a présidé une enquête générale sur les vestiges et les objets anciens. Comme une preuve précieuse de l'histoire Yizhu des Zhang, la salle Trongxin, cantine ancienne conservée jusqu'à aujourd'hui dans le village de Dongming, l'a beaucoup impressionné. Les membres des Zhang vécurent une vie très harmonieuse. En 1344, Yin Kui de Tiantai a décrit : En entrant dans cette famille, on voit que tout est en ordre et qu'une bonne ambiance règne. Plus de 3000 personnes mangent ensemble, mais on n'entend aucun bruit. Afin d'aider les pauvres, cette famille a logé plus de 3000 personnes et leur a fourni de quoi manger. En formulant 168 règles familiales, la famille des Zhang gère ses membres sous tous les angles. Les villageois de Dongming ont gravé ces règles sur des stèles et les ont placées dans le temple des Zhang, afin que ces règles soient gravées dans le cœur de tous leurs descendants. Dans le temple des Zhang est conservée une grande cloche. Pendant plus de 800 ans,
15 générations de Zhang ont vécu harmonieusement avec ces tintements. Selon les règles familiales, les membres des Zhang commencent à étudier dès l'âge de 8 ans. Chaque matin, quand la cloche du temple sonne 8 fois, les enfants doivent se réunir dans la salle Yosu pour apprendre et réciter les règles. C'est grâce à ces 168 règles précises et strictes que la famille des Zhang devint de plus en plus prospère. Et en formulant ces règles, les ancêtres gravèrent l'esprit de la justice dans le cœur de leurs descendants. Zhang Krejun est de la 30e génération des descendants de la famille Zhang. Il est pompier bénévole au village depuis 18 ans. Le 7 mai 2014, un accident inattendu l'a fait connaître de tout le monde. Son nom est apparu dans les médias de Xinhua. Un journaliste de la chaîne de télévision a enregistré ce qui s'est passé à ce moment-là. À 8 h le 7 mai 2014, un camion-citerne transportant 24 tonnes d'acide fluorohydrique a heurté légèrement une autre voiture. Une fuite a eu lieu. Zhang Krejun, qui était de garde, a entendu la nouvelle et s'est précipité de conduire les autres pompiers bénévoles vers le site de l'accident. Une fois là-bas, le goût piquant du gaz hautement toxique a même fait hésiter les professionnels sans masque à gaz. Mais Zhang Krejun est toujours allé de l'avant. Dans cet accident, Zhang Krejun a sauvé deux personnes. Mais il a été le plus gravement blessé. En 3 jours, les médecins ont prononcé 2 fois qu'il était dans un état critique. En parlant de cet épisode, sa fille, Zhang Zhuolan, ne s'est pas encore remise de sa frayeur. Dans le cœur de Zhang Krejun, la justice transmise de génération en génération dans la famille, c'est d'aider les autres en difficulté. Ce sont l'instruction et le bienfait des ancêtres qui lui ont offert la motivation et le courage dans les moments les plus critiques.
奉献我们的这个力量去完成我们的使命。Un jour, alors qu'il avait 40 ans, John Crudgeon est parti en mission et a vu un autobus venant de prendre feu. Sans outil d'extinction, il a dû regarder l'autobus brûler sans pouvoir rien faire. Cela l'a beaucoup touché. C'est après ça qu'il a participé à l'équipe bénévole de pompiers. Malgré qu'il soit le plus vieux, il se lance toujours en premier contre le feu. En ne reculant jamais devant son devoir social, John Crudgeon nous montre à plusieurs reprises l'esprit de justice de la famille des Zhang. Il y a plus de 900 ans, la première génération des Zhang qui virent ici avait déjà donné un bon exemple aux descendants. En 1099, Zhang Huai de Chun'an, du Zhejiang, s'installa à Puxiang avec ses deux frères. Ils choisirent de vivre au bord du ruisseau Bailin, dont le paysage était très beau. Il travaillait beaucoup et accumula pas mal de richesses. Les trois frères ne vécurent plus ensemble, mais ils éprouvèrent de profonds sentiments les uns envers les autres. On leur donna le titre de trois frères Zhang de Puyang et enregistra leurs histoires dans la généalogie. Pour commémorer l'acte de justice de Zhang Huai, les voisins reconnaissants appelèrent respectueusement son village Zhangyili. La loi familiale basée sur la justice commença dès lors à prendre racine. Pourtant, Zhang Huai, qui avait dépensé toutes ses richesses, vécut depuis ce moment une vie pauvre. Jusqu'à la mort de son petit-fils Zhang Ti, la famille Zhang s'enlisa de plus en plus dans une situation très difficile. Pendant le règne de l'empereur Dian Yen des Song, pour que la famille puisse survivre, Zhang Ti, avant sa mort, demanda aux descendants de prendre la justice comme foi familiale et de vivre harmonieusement. Dans sa longue histoire de Yizhu, de nombreux actes de justice surgirent dans la famille des Zhang. Les membres de la famille ont toujours raconté l'histoire la plus touchante grâce au théâtre de Zhejiang. À la fin des Song, c'était les frères Zhang Degui et Zhang Dezhang qui dirigeaient la famille. À l'époque, les gens vivaient une vie mouvementée. Les bandits vécurent en hors-la-loi. La famille Zhang fit face au moment ultime de la vie ou de la mort. Zhang Dezhang était un jeune homme plein de vigueur. Ayant un caractère plein de loyauté, il se battait toujours contre l'injustice et finit par vexer un tyranneau local. Tombé dans le piège de ce tyranneau, Zhang Dezhang fut condamné à mort. Son frère Zhang Degui était lettré et d'une bonne nature. Croyant que la situation était si périlleuse que son petit frère, pratiquant les arts martiaux dès l'enfance, aurait plus de capacité à protéger toute la famille, Zhang Degui décida alors de se sacrifier pour protéger son petit frère. Il confia la famille des Zhang à Zhang Dezhang, puis alla à Yangzhou pour affronter glorieusement l'exécution capitale. Zhang Dezhang s'est beaucoup affligé de la perte de son frère. Pour répondre à ce que son frère attendait de lui, il fit construire des murailles en pierre autour du village pour se protéger des attaques des bandits. Enfin, toute la famille fut sauvegardée malgré tous les troubles. Pour faire ressortir l'acte de justice de Zhang Degui, les membres de la famille construisirent un portique commémoratif sur lequel furent gravés les caractères chinois Tui Changzhen, mort pour la justice. Dès lors, dans le cœur des Zhang, ce serait un acte honorable que de se sacrifier pour la justice et la morale passerait avant la vie elle-même.
Avec les frères De Gui et De Zhang, le respect pour la justice dans la famille des Zhang ne connut plus de limites. La poursuite de la justice devint la règle de la morale des Zhang. Jusqu'à aujourd'hui, pendant la saison morte agricole, sous le plus grand portique de la famille, on joue toujours les mêmes pièces de théâtre, afin d'éduquer les descendants à être un homme vertueux. Les règles familiales des Zhang sont très spécifiques à propos de l'acte de justice. Par exemple, Yi Zhong est pour les morts sans cercueil, Yi Ci pour les morts sans descendants, et Yi Fang pour les lettrés sans argent. Selon les règles, on doit adopter la même attitude envers tout le monde, que ce soit les membres de la famille ou les villageois des villages voisins. La maison de Bianbingshui est à une dizaine de kilomètres du village de Dongming. Il y a 30 ans, un accident a lié sa vie à celle de Zhang Zhongshan de Dongming. Cette année-là, un jour, le père de Zhang Zhongshan a rendu visite à un ami au village voisin. Au retour, la nuit était tombée. Une personne qu'il connaissait lui proposa de faire le trajet avec une personne ayant une voiture. Il s'appelait Bianbingshui. Peu après, le père de Zhang Zhongshan est mort à la suite de graves blessures causées par l'accident. En tant que conducteur, Bianbingshui a offert 300 yuan à Zhang Zhongshan. Mais il refusa de recevoir ces 300 yuan. Une compensation pourtant parfaitement justifiée, selon les autres. En refusant la compensation offerte de Bianbingshui, Zhang Zhongshan a dû emprunter de l'argent pour enterrer son père. Ayant trois petits-enfants, il lui a fallu 10 ans pour rendre ses 100 yuan de frais d'obsèques. Zhang Zhongshan n'a étudié que pendant 2 ans. Mais tous ses actes sont basés sur les règles concrètes, gravées dans son cœur. Bianbingshui fut étonné de l'acte de Zhang Zhongshan, mais en même temps, il avait du respect envers lui. Il a ensuite reconnu Zhang Zhongshan comme son cousin et lui a toujours rendu visite. Leur lien dure déjà depuis 30 ans.当时我们家族整个有同居
九世。从那个时候，我们就是把那种孝道义字已经贯彻到我们子承的教育当中。嗯，就像这一条，就是如何处理和我们邻里的关系啊，这些东西我们都已经开始在做。La famille des Zhang éduque toujours ses descendants avec ses 168 règles familiales strictes et concrètes. L'esprit de justice pénètre déjà dans les veines de ses descendants. Jusqu'à aujourd'hui, ils apprennent et transmettent encore les règles et l'esprit de la justice. Dans l'école de la famille des Zhang, les enfants commencent à étudier et à réciter les règles familiales dès l'âge de 10 ans. Ils suivent tous les maximes laissées par leurs ancêtres. De cette méthode traditionnelle, la poursuite de la justice se transmet ainsi de génération en génération. Pendant 1000 ans, les mœurs et l'esprit de la famille se sont enracinés dans le cœur de tous ses membres. Ils sont devenus une connaissance commune. Le mode de vie de Yizhu n'existe plus à présent. Mais la manière de se comporter et de se maintenir, le sentiment d'unité de la famille des Zhang, influence toujours les descendants, et ce jusqu'à aujourd'hui. You.